Allez, on part dans cette ultime manche. Pachi à l'engagement contre Divo et c'est ce second qui remporte. Attention, est-ce que ça a été prolongé par Maestro? Mais par Remco et Maestro à la réception. Excusez-moi, un but comme qui dirait d'engagement. Maestro qui prolonge bien ce ballon et ça permet de battre la défense du coup qui ne peut pas retoucher. Sachant que la balle est trop éloignée du but et qu'ils n'ont pas forcément le boost nécessaire. C'est comme ça qu'il faut la jouer. Magnifique. Remco, coup d'envoi, face à Chaussette, le ballon sur la ligne médiane, Divo sera le premier. Mais finalement, c'est repris par Maestro contre le backboard, Divo qui tente une redirection, c'était compliqué. Maestro qui a gagné son duel face à Pachi, Divo encore une fois, ça temporise beaucoup côté Nordern. Pachi qui cherche Chaussette côté gauche, mais la passe est interceptée. Remco qui va essayer de pousser pour Divo, peut-être. Violent Panda qui s'est mis en opposition, Divo qui renvoie, ça va être défendu sur le backboard par Pachi. L'interception de Maestro, la retouche en retrait pour Remco. C'était pas mal, hein. Franchement, on a les passes en retrait comme ça, on n'en voit pas assez. Je pense qu'on en verra plus dans les mois, dans les années à venir. Je pense que le jeu, la méta du jeu peut encore beaucoup se développer. Il y a beaucoup de moves qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Attention, c'est dangereux. Et ça va être la concrétisation de Pachi sur cette balle qui était en train tout simplement de rebondir devant le but de Nordern. Et voilà, Pachi qui passait et qui est venu mettre un petit coup de tête comme ça. Tac! Et c'est l'égalisation. Divo, il a réussi son engagement. Ça va être pour Remco au-dessus du but. Maestro en troisième lame. Oh, la bonne intervention de Chaussette. Le ballon est cadré, mais Divo a tout son temps. Attention, la pression de Pachi. Divo qui était toujours en opposition, mais ça va revenir avec Violent Panda. La passe pour Chaussette. Et Divo, c'est bien défendu cette fois. Il va tenter de mener le compte, là, l'anglais. Pachi, le retour. Remco, le centre est bien défendu par Pachi, mais Maestro va y aller. Le Danois qui envoie ce ballon contre le backboard où Violent Panda l'attendait pour la reprendre. Ou le bon compte de Divo sur Chaussette et Violent Panda qui va essayer de chercher un coéquipier. C'est Remco qui va trouver ce ballon. Ça a été prolongé par Divo, c'est pas mal. Remco qui va peut-être pouvoir y aller. Non, c'est bien pinch par Pachi sur le backboard. Divo qui projette dans le corner opposé, mais la bonne intervention de Violent Panda, sans problème pour Maestro. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour poursuivre? Décidément, Violent Panda, il aime bien faire le jet aujourd'hui. Oh, Maestro qui a failli passer au mind game. Oh, Pachi là qui était sur la trajectoire de ce tir de Remco. Violent Panda. Ça va être contrôlé. Non, Violent Panda qui continue son action. Remco qui a intercepté. Chaussette, faut y aller. Là au duel, voilà, il a remporté le français. Mais ça revient avec Divo. Pachi, non, c'est Violent Panda qui va devoir défendre ce ballon face à Maestro. Il s'en est bien sorti. Chaussette à nouveau, la relance plein axe, c'est dangereux. Mais il va reprendre Chaussette. Servir Violent Panda, c'est intercepté par Remco qui va essayer de s'envoler pour la rabattre. Remco, le tir n'est pas cadré. Et Maestro va peut-être pouvoir remettre ce ballon devant. Il s'en est sorti. Attention à Divo. Maestro qui s'envole à nouveau. Il va la projeter au niveau de l'autre corner. Allez, il décide de la laisser à Pachi. Pachi, le passage en force face à Maestro. Il en a un deuxième à passer. C'est Chaussette qui va venir l'aider. Oh, c'est juste au-dessus ça. Et c'est bien repoussé par Divo sur le backboard. Interception de Violent Panda qui se lève le ballon pour lui-même. Il essaie de la retoucher. Elle va retomber dangereusement devant le but. Remco, c'est raté. Mais qui vient côté orange pour mettre le feu, la pression là sur ce but de Nordern Gaming? C'était finalement Chaussette. Violent Panda qui contrôle là dans le rond central. Interception de Maestro. Et intervention de Chaussette et intervention de Remco. Allez, c'est Apache là de frapper cette balle, c'est cadré. La parade de Divo, Maestro à la réception peut-être. Non, il a vu que Violent Panda était le premier. Voilà, il a pris son temps pour faire un meilleur dégagement. C'est bien, surtout qu'on a un bon redirect de Divo. Et Maestro, ça a cherché le 1-2, c'était pas mal. Ils se sont trouvés en tout cas. Remco qui est monté sur ce wall. Attention, est-ce qu'il a retrouvé son coéquipier dessus? Ça voulait dire qu'il n'y avait plus personne au niveau des buts. Violent Panda qui ne parvient pas à passer. Chaussette était vigilant. Derrière, Remco qui ne parvient pas à toucher. C'est Maestro qui contrôlera. Allez, 1 minute 40 restant dans ce match. Toujours un partout. C'est la manche décisive pour rejoindre les leftovers en finale de ce tournoi. Avec Chaussette qui met ce ballon dans l'axe. La passe pour Pachi. Le tir est au-dessus. Divo à la défense. Le contre de Violent Panda. C'est bien joué de la part de Gale Force. Mais attention à Maestro qui contrôle. Le tir, il y avait Pachi pour retoucher. Non, c'était Chaussette. Car le voilà, Pachi. Bien joué. En marche arrière, Chaussette qui n'a pas pu rediriger. Attention, contre, ils sont trois à se projeter vers l'avant avec Maestro. Mais Violent Panda a récupéré le ballon. Il va essayer de partir côté gauche. Il attend le retour, le soutien de Chaussette. La défense de Remco qui met ce ballon sur le côté. Le duel remporté par Pachi face à Divo.
Remco, il faut aller défendre ce ballon, il faut y aller. Non, c'est bon, il a laissé à Maestro. Il a réussi à battre Violent Panda, ça a été repris par Remco derrière. Chaussette qui repousse comme il peut, mais Maestro était bien vigilant. Pachi, ça va être pour Remco, la frappe, c'est au-dessus. Il va falloir quelqu'un là pour reprendre Violent Panda qui a réussi à dégager. Il va frapper Divo, ouf, la bonne parade. Remco qui va essayer de poursuivre. Ça va être Divo qui met ce ballon dans l'axe. Pachi qui contrôle. Attention, Divo est battu, mais il a gêné Pachi. Violent Panda a pu reprendre. Pachi a attrapé le boost, mais il ne pourra pas aller sur ce ballon. C'est pris par Remco. Chaussette qui le met sur le côté. Il y a l'appel de balle de Pachi, peut-être. Non, c'était Divo dans les airs. Le retour de Pachi, on le voit. Violent Panda au duel face à Divo. L'anglais qui pinch pour centrer. Intervention de Pachi au premier poteau. Remco qui temporise. Ça permet à Maestro de centrer contre le backboard. Violent Panda en difficulté. Il contrôle le ballon. Il a du temps. Bien joué sereinement. Mais attention à l'interception de Divo. Ouais, il y avait une tentative de mind game là, de la part de Violent Panda. Attention, Divo sur le backboard, c'est Pachi qui s'en est sorti. Attention, ça revient avec Maestro. Cette fois, c'est Violent Panda qui va venir repousser. Maestro à nouveau est repoussé par Chaussette. Cette balle touche le sol et on part en overtime. Quelle tension dans cette manche décisive. Allez, celui qui marque rejoint la finale de cette compétition avec 250 pounds à gagner. C'est près de 280 euros, peut-être même un petit peu plus. Attention, Violent Panda à la défense. Oh, la redirection de Chaussette et la parade de Divo. Superbe retour de l'anglais sur cette magnifique frappe du français qui était cadrée, qui aurait pu apporter la victoire au Gale Force. Attention à cette frappe, ça manquera de puissance pour inquiéter la défense. Maestro qui va être chargé. Oui, il a tenté le mind game, mais Chaussette ne s'est pas trop fait avoir. En tout cas, Divo, ça revient dans l'axe. Il sera le premier, c'est Chaussette. C'est pas mal pour Violent Panda qui va devoir retoucher le passage en force. Mais non, le dégagement de Remco, ça revient avec Chaussette. C'était cadré sans problème pour Divo. Ça va être pour Pachi à la réception. Non, Remco qui a réussi à passer. Peut-être un centre de Remco. Oh, le retour de Chaussette du joueur français. Il l'enlève. Elle était à moitié rentrée, cette balle. Et Chaussette qui tente le contre. Ça va être poursuivi par Violent Panda. Un premier défenseur de battu. La frappe de Chaussette qui n'est pas cadrée. Pachi est derrière. Et c'est repoussé par Maestro. Pachi qui temporise ce ballon. Divo va y aller. Mais Chaussette sera le premier dans les airs. Il va essayer de retoucher le français. Il n'y parviendra pas. C'est renvoyé par Remco. Le contrôle de Maestro. Et le retour de Pachi pour mettre ce ballon en direction de Violent Panda qui l'envoie devant. Il va essayer de continuer le néerlandais. Il redescend. Remco qui s'est mis bien en opposition. Violent Panda pour la rediriger. La passe dans l'axe pour Chaussette. Peut-être est-ce qu'il est là. Et le retour de Maestro pour empêcher la frappe du français ou tout du moins la contrer. Divo face à Pachi. Il a gagné son duel. L'anglais dans les airs. Il va essayer de retomber sur le ballon. Bien joué, mais c'est intercepté par Panda. Ouais, Violent Panda qui met un bon ballon là. Heureusement bien dégagé par Maestro. Il va essayer de poursuivre, mais il est un petit peu en retard. Pachi était le premier. Remco à partir du backboard. Il va trouver Divo. Peut-être la bonne prolongation. Est-ce qu'il va pouvoir s'envoler Divo? Non, ça a été repoussé par Violent Panda sur le backboard. Ça revient avec Remco. Remco qui va essayer de poursuivre à son tour. Personne n'est sur ce ballon, si ce n'est Pachi. Il va peut-être pouvoir continuer. Non, enfin Maestro, la bonne arrivée. Chaussette pour dégager. Il va trouver Pachi. Attention, ils étaient deux là-dessus. Heureusement que Maestro s'est raté, mais Remco était bien présent derrière. Remco qui va essayer de remettre un centre. Ça va être défendu par Chaussette. Non, finalement, Violent Panda qui met ce ballon côté gauche. Mais ça va revenir avec les bleus. Attention, Maestro s'est raté. La touche en retrait. Ça profite à Remco qui envoie le ballon dans le coin de corner de Gale Force. Le contrôle de Pachi. Il est passé face à Maestro. Mais il aura Divo derrière. Violent Panda. L'interception. Attention, le ballon renvoyé plein d'axes. Chaussette sera le premier dessus. Il a gagné son duel face à Remco. Maestro a attrapé le boost. Mais Chaussette va pouvoir retoucher. C'est bien joué. Pachi qui s'envole pour la rabattre en direction du but. Ça passe juste à côté. Mais Panda pour la conclusion et la parade de Maestro. Ah, et Violent Panda qui s'est fait gêner. Du coup, ça part en contre avec Divo. Il va peut-être pouvoir retoucher. Oui, c'est pas mal. Ça met un bon centre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les airs? Oh, Chaussette! La parade de Chaussette. Attention, c'est pas fini. Remco qui se bat, qui continue. Mais Violent Panda. Oh là, attention, c'est dans l'axe. Il a du champ, Maestro. Divo qui s'est fait gêner. Il a pas pu poursuivre. Qu'est-ce que c'est tendu? Ça fait 3 minutes de prolongation. Allez, Chaussette qui va essayer de partir, de mener le contre. Il a attrapé le boost. Il peut frapper. Oh, attention, Violent Panda. C'est compliqué, ça va vite. Et le retour de Pachi pour empêcher Maestro de conclure. Pachi encore, il pousse le ballon en direction du but de Northern Gaming. Divo qui temporise bien en mettant ce ballon dans le coin de corner. Il se bat, Divo. Non, c'est Chaussette qui récupère. Il va retoucher Chaussette. Il n'a pas pu la rabattre. Violent Panda qui ne peut en profiter. Ouh, il a cherché l'angle Chaussette pour la mettre au premier poteau. Remco qui parvient à dégager. Oh, attention, s'y attendez pas. Violent Panda qui repousse moins devant. C'est entre le corner et le but. Le dégagement sur le côté de Divo. La prolongation de Remco. Pachi qui n'est pas encore au premier poteau. Il va monter sur le wall. C'est super dangereux. Oh. Heureusement. Qu'est-ce qu'il a fait, Violent Panda? C'était super. Mais ça revient avec Maestro. Il faut la retoucher. Oh là là, c'est Chaussette qui défend sur cette frappe de Remco. Attention, Remco, la passe en retrait. C'est joli pour Divo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Divo qui
qui va reprendre son ballon. Ce n'est pas cadré. Ça revient avec Maestro. Décidément, c'est un poteau d'exécution. Vaillant Panda qui essaye de l'emmener, mais il a été contré par Remco. Oh, attention, Pachi qui va y aller là. Il a gagné son duel face à Maestro. Mais c'est intercepté une nouvelle fois par Divo. Bonne pression de Nordend Gaming là. Après 4 minutes de prolongation. Chaussette, peut-être, il a du champ. Mais il est contré par Divo qui va essayer d'aller chercher le ballon sur le wall. Mais Pachi sera le premier. Le ballon envoyé en direction du but de Nordend Gaming. Attention Maestro, il est passé face à 1, face à 2, mais pas face à Panda. Remco, il récupère, il sert Divo, le 1-2 peut-être. Remco dans les airs, est-ce qu'il est là? Non, c'est Chaussette qui récupère. Il va essayer de reprendre ce ballon, Maestro. La petite demi-volée, redirigée par Divo, mais la parade de Panda. Et ça revient avec Remco, non c'est bon, Chaussette, la bonne intervention, Violent Panda dans l'axe. Ça a été retouché par Pachi, il a réussi à la mettre devant. Attention Maestro, il faut y aller. Voilà, il a réussi à dégager, j'ai pas compris pourquoi Pachi n'était pas, avait pas contest. C'est pas grave, Violent Panda, il va essayer de la retoucher. Divo qui la repousse péniblement. Attention Remco, Divo, ils sont tous les deux sur le backboard. Heureusement, cette retouche de dernière seconde de Divo, ça revient. Oh, c'est cadré. Le but. 4 minutes 53 de prolongation pour inscrire ce but. On a senti là la défense de NG qui était un petit peu plus... Ouais. Ouais. Vous m'avez compris, je trouve pas le mot, mais... Ils ont tergiversé, ils ont eu du mal là sur les 10 dernières secondes. Et l'erreur a payé cash avec cette exécution signée Violent Panda pour arracher cette victoire après 4 minutes 30 de prolongation. What? Magnifique, magnifique match, vous le retrouverez sur YouTube dès demain.